Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas du tout parce qu'aujourd'hui on va apprendre à quel moment je vais mourir en fait. Qui fait ce genre de vidéo même? Où est mon téléphone s'il vous plaît? Vas-y, jette-le. Non mais jette-le pas comme ça, faut que tu te rapproches quand même. S'il se casse, c'est de ta faute hein. Ouais. Tu te rappelles, y a pas Apple Care ici. J'ai été gardien dans une autre vie vraiment. Je sais pas si vous avez vu la tendance passée, mais genre il y a plein de gens qui mettent en story le jour où ils vont mourir et apparemment l'application est possédée. Du coup bah j'ai vraiment très peur d'installer cette application sur mon téléphone. Je déconseille quiconque de le faire. Je me présente un peu comme cobaye. Mais mon bureau derrière il est pas du tout rangé. Déjà ça, les gens ils vont me critiquer donc je vais l'enlever. Donc vraiment j'ai super peur, c'est parti, activation du mode écran. Enregistrement d'écran. D'ailleurs petit big up à Marilyn Monroe si elle me regarde, c'est mon fond d'écran. Vraiment de l'humour sarcastique ça. Je sais même pas si tu sais ce que ça veut dire en plus. Du coup voilà, j'ai téléchargé l'application, elle s'appelle Deadline. Du coup quand on arrive, what's your deadline, continue with the question. Bref, en gros là il me demande mon âge. J'ai vraiment peur parce que imaginez genre toute ma vie, bah je vais m'attendre à ma mort en fait. 9 janvier 2003 pour ceux qui savaient pas. What's your deadline? What's your diet like? Mais j'arrive pas. Bah je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. Not so healthy, very healthy. Normal genre, je sais pas ce que ça veut dire. Smoking, no smoking, moi je fume pas. How about the booze, be honest? Mais ça veut dire quoi tout ça? L'application elle est même pas en français. Ah mais en gros il faut que je dise si je bois ou non. Je sais pas, on va mettre au pif. Often drink, je sais pas ce qu'il demande. Can change this gene, how your family. Ça veut dire quoi ça aussi? Je crois que cette question ça demande si ma famille a des problèmes ou non. Ça veut dire quoi? Alive and well, sain et sauf. Bah ouais genre mes parents ils sont sains et saufs. How about exercise? Là ça me demande si je fais du sport. Bah genre rarely, ouais rarely. Mais vous inquiétez pas, je vais bientôt me mettre à la salle de sport. The big one, how your stress level. Est-ce que je stresse beaucoup? Alors on va dire genre, je suis normal, je sais pas. Oh 80. Donc l'application a bugué, ça m'a dit 80 ans. 81 ans. Je peux le mettre en airdrop si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe dans cette application? Je crois bien qu'il y a des vraiment beaux aider, ça me fait super peur. Activer toutes les catégories. Autoriser. Mon dieu, là je suis en train d'autoriser pour qu'il voit date de naissance et tout. Genre regardez quand on lâche, ça fait des trucs trop bizarres là, il va y avoir un poulet. Genre vraiment. J'ai remarqué aussi quand on clique sur ça et qu'on clique sur la petite croix, genre l'application elle bug. Genre voilà, je peux plus rien faire. Et là ils me mettent 63 ans et le pigeon il est à l'envers. Genre comme s'il était mort, c'est trop bizarre. Et là, ils me remettent 80 ans. Je vais soit mourir dans 63 ans, soit dans 80 ans. Je ne comprends pas trop cette application, je dois vous avouer. Ensuite, quand je mets change gender, mais je comprends pas du tout ce que ça veut dire. S'il y a des bilingues parmi vous, n'hésitez pas à me dire ce que ça veut dire dans les commentaires. Bon, en tout cas, l'application, elle a l'air de bien faire flipper. De base, j'avais connu cette application par des amis. Et eux, genre, quand ils m'envoyaient leurs vidéos, l'application était trop chelou. Déjà, leur flash, il s'activait tout seul. Et genre, ça mettait une petite musique avec le compte à rebours qui descendait. Du coup, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints. Ils ont dû faire une mise à jour pour arrêter tout ça. J'aurais bien voulu vous mettre la vidéo parce que la personne elle l'avait filmé son téléphone là quand il disjonctait à cause de l'application, mais du coup c'était sur son ancien téléphone et maintenant bah elle l'a plus. Enfin bref, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont Instagram, Snapchat et TikTok. Bien sûr vous avez aussi mon Twitter. S'il y a des gens qui ont quand même téléchargé l'application, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quelle année vous mourrez. En tout cas je meurs dans 80 ans ou 63 ans, on sait pas trop. Et Fabien par ailleurs n'a pas voulu télécharger l'application, il a trop peur. Sur ce je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve pour une vidéo un peu plus travaillée je l'espère. Gros bisous.